Abolition de l'argent liquide. La tactique des tranches de salami pour que ça ne fasse pas trop mal. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une parabole. Si on jette une grenouille dans de l'eau trop chaude, elle saute immédiatement hors de l'eau. Mais si on met une grenouille dans une casserole d'eau tiède, elle y restera, même si on porte l'eau très lentement à ébullition et donc jusqu'à sa mort. C'est une parabole bien connue. Percevons-nous réellement les changements lents et parfois à peine perceptibles dans nos conditions de vie? Considérons, pour ne pas finir comme la grenouille, le thermomètre montant des événements déplorables que nous révèlent des témoins contemporains vigilants et réalisons à quel point l'eau est déjà devenue chaude autour de nous. La suite de cette émission nous rend attentifs à cette tactique des tranches de salami au sujet de l'argent liquide. Depuis des milliers d'années, le commerce d'échange avec des pièces de monnaie a fait ses preuves dans le monde entier. Contrairement à certains pays européens, l'Allemagne est loin d'être une société sans argent. Apparemment, les Allemands, amoureux de l'argent liquide, doivent maintenant être peu à peu sevrés. D'une part, la Bundesbank a commencé à retirer de la circulation les billets de 500 euros, et d'autre part, il n'est plus rare que les banques n'acceptent des pièces qu'avec des frais. Et la Sparda Bank de Hanovre a même fait un pas de plus. Ce n'est que dans deux de ses 25 succursales qu'on peut encore donner ou retirer de la petite monnaie. Certes, cela semble être un pas insignifiant, mais c'est précisément la raison pour laquelle on a besoin d'une vigilance plus grande des consommateurs et d'un veto clair et net des clients. Si notre veto ne se concrétise pas à ce stade qui est déjà bien avancé, nous assisterons bientôt à l'abolition complète de l'argent liquide avec des paiements électroniques entièrement traçables.